Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un petit peu de changement, très légèrement. Rappelez-vous la mamie qui m'avait donné en fait 1 million sur la planète Terre. Bah, je vous avais dit qu'elle est décédée et qu'après elle avait plus besoin de son argent. Je l'ai vue tout à l'heure au paradis, elle m'a donné 5 millions. Voilà. Donc, ça me permettra de pouvoir acheter les champs en question. Donc, je vais essayer de les utiliser un peu intelligemment pour éviter justement de me foutre un peu dans la merde. Donc, 5 millions, ça va être uniquement pour des champs, etc. Après, tout ce qu'on gagnera en argent, ça sera vraiment du plus. Dire, mais pourquoi t'as voulu vraiment demander à la mamie 5 millions? Écoute. Demande pas trop de choses. En moins t'en sais, mieux c'est. Non, je taquine. Allez, je vais acheter son terrain. Voilà, il est heureux. Donc ça m'appartient. Le terrain à côté, le 25. On va essayer de se le prendre aussi, hein. Donc je vous cache pas. J'essaie de prendre un petit peu les terrains comme je vous avais promis au début. Et bizarrement, on ne peut pas les acheter. Le 25, je peux pas l'acheter. Comment ça se fait que je peux pas l'acheter? Parce que le 25 se trouve de l'autre côté. Voilà. Donc, R. Ah, le 25, il coûte quand même cher. Donc, acheter. Maintenant, le 26. Non, le 28. Hein. Le 20. C'est où le 20? Le 20, je sais pas du tout où il est. Je me souviens même plus. Ah, il est de l'autre côté. Il est vers là. Ouais, non, je m'en fous en fait du 20. Par contre, je vais commencer à faire des trucs un peu cool. Donc, ouais, j'ai besoin du 23, 24. Tu vois, j'ai le 14, le 19. Ouais, donc je vais rester pour l'instant dans cette zone-là. Et plus tard, on se développera un peu plus vers ici. Tu vois, vers ces zones-là. Ouais, c'est dommage que j'ai pas un peu d'autres trucs. Bah, écoute. On va commencer à investir dans des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, on a pas mal de choses qui vont vous faire plaisir. Avant ça, je vais mettre quand même des sécurités qui vont nous rapporter. Sinon, c'est pas intéressant. Une éolienne. Et vous croyez quoi? Ça rapporte par tour, hein. Donc, on va se mettre une petite éolienne. Une petite, elle est quand même gigantesque. Mais bon, pour body, elle est petite. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, l'éolienne. Donc, on a les panneaux solaires ici. Donc, l'éolienne, on peut se la mettre. Je sais pas, moi. Tiens, viens ici peut-être. De toute façon, ça va pas nous poser plus de trucs. Attends. Je vais plutôt la foutre dans l'intersection ici. Une petite éolienne ici, moi ça me dirait bien. Voilà, donc je vais tout simplement retourner le côté. Donc j'aimerais bien casser quelques arbres, après démolir plutôt. Je l'aurais bien mis là, moi, en plein milieu là. Mais bon, dès qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc ici, au pire des cas, je me mettrai un magasin en bas. Voilà. Au moins, ça nous fera une source de revenus, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si je commence, on va dire, à vouloir tout de suite acheter les véhicules, ben, on va pas forcément avoir tout le temps de l'argent comme ça, quoi. Donc on a notre première éolienne qui vaut la peau du cul. La deuxième, on peut la mettre quelque part vers ici, hein. Pas besoin de s'embêter. Voilà. Ça fait un petit style bien sympa. Donc il nous reste 2 millions pour dépenser maintenant, justement, dans les véhicules. Donc là, je sais que je vais avoir 300 qui va être 300 d'argent. Ça va être cool. Maintenant, on va commencer à investir dans des choses beaucoup plus sérieuses. Donc, ça, j'aurais besoin de ça, rappelez-vous. Ah ouais, non, mais moi, je suis devenu, on va dire, un businessman maintenant dans le jeu. Attention, attention, je mets des bâtiments. Je mets des bâtiments. Donc, on va retourner ça. Donc, par contre, je crois que le mieux, c'est de passer comme ça. Voilà, je dirais ici. Je sais pas si c'est le bon côté, mais bon, je vais quand même espacer. Vu qu'il n'y a rien ici, je vais profiter justement pour construire des trucs, des silos également, de stockage supplémentaire. Ah non, mais faut pas être. Pas trop se poser de questions. Est-ce que je peux le mettre où le silo? Ah ouais, tu les places pas où tu veux les silos, hein. Ah ouais, t'es bien mignon toi. Ah, moi je pensais qu'on pouvait les mettre où on voulait finalement, et ben non. Où est-ce que ça doit être? Placement d'un endroit impossible là. Tu crois qu'on peut les mettre où les silos? Les silos. Non, les silos, je crois pas tant qu'on peut les mettre où je veux. Peut-être ça doit être à côté des zones. Ah, si j'ai vu un truc vert là. T'as pas un peu rêvé toi? Non, mais j'ai cru juste un peu à. Ah, c'est là que tu les mets. Ok, donc on peut les mettre juste sur le côté. Bah écoute. Donc, montre-moi de loin à quoi ça ressemble.
R, non A, on va les tourner quand même dans un côté plutôt cool. Je vais le mettre vers là, celui-là. Voilà, tu vois, ça nous permettra d'avoir un stylo. Voilà, un autre ici. Ah, vous voyez, je commence à bien décorer le jeu. Voilà, je dirais 3, c'est suffisant, voire 4. Vas-y, soyons fous. Non, 3, 3, exagère pas. La machine après à faire les arbres. Ça, c'est quoi ce truc-là? Donc, de l'eau. J'ai déjà un truc là-bas au fond. Donc, les baraquements. Je sais pas, c'est pas ouf ça. Ouais, bon, bref. Achetons des véhicules maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter d'intéressant? Justement, je vais me poser cette question. En tout cas, on va encore acheter les nouveaux tracteurs. Bon, c'est pas le plus puissant qui m'intéresse, hein. Franchement, ils ont rien de ouf. Tu vois, moi j'ai pas envie d'investir des tracteurs qui me servent pas à grand chose. Juste parce qu'ils sont assez jolis, je sais pas. Donc, on va se prendre un tracteur bleu qui m'a l'air correct. On a le rouge, on aura le bleu puissant. Ouais, c'est pas parce que j'ai de l'argent que j'ai envie de le dépenser n'importe comment. Tu vois? Donc on va acheter ça. Il y a quoi d'autre? Attention. Ouais, vas-y, ça le fait plaisir. Donc oui, un tracteur supplémentaire. Alors derrière, on va quand même prendre des tracteurs plutôt normaux. Un peu moins cher quand même. Ça, ils sont à combien? Ils sont quand même chers ces tracteurs, putain la vache. Quand même prendre des vieux tracteurs aussi pour pouvoir transporter vite fait quelques matières premières. Donc il y en a quoi comme couleur? On va le prendre en jaune. Donc on va prendre un truc qui permet de... Attends, charge avant bien sûr. Pneu large. Ouais, si tu veux. Et toute option, celui-là, laisse tomber, hein. 100 000 supplémentaires. Cool. On a quoi en fait de location là? Je me demande. Ouais, comme ça j'ai de plus en plus de tracteurs et ça va être bien. Comme ça on aura un tracteur pour chaque truc en fait. C'est ça justement que je voulais faire. Après je prends pas forcément les plus puissants parce que c'est pas extraordinaire d'avoir autant de choses. Ça sert à quoi ça? D'accord. À récolter des cultures. D'accord, ça sent. Ah oui, la moissonneuse-batteuse. Ah oui, ça va être 10 fois mieux finalement. Ah ouais, justement, ça peut être vraiment plus cool quoi. J'aurais vite fait ce qu'on a. Oh là là, le gros là, il est cher comme je sais pas quoi. Ça sert à rien d'avoir un truc aussi grand. Moi, je vais prendre la rouge, hein, sincèrement, je vais pas m'embêter. Hein. Mais 800 par jour, c'est super cher. Vas-y tout seul. On verra ça un peu plus tard. Attends, j'ai vite fait ce qu'on a après comme possibilité à côté. Ils sont chers leurs trucs. Ça sert à quoi ça? On peut transporter des troncs d'arbres. Justement, ça pourrait être cool après ça. Ça sert à quoi? Couper l'herbe. Ah, c'est les promos. Bah écoute. 3 heures. Configuration bois. Bah, je prends toute option les trucs. Hein. Voilà, on a quoi d'autre encore à faire? Je regarde un peu, hein, parce que ce qui m'intéresse, moi, vraiment, c'est découvrir tout ce qu'on peut faire. Hein. Les autres véhicules, ça, je m'en fous, je joue beaucoup avec les tracteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut après se servir? Ça peut être plus cool justement. Parfait. On a quoi après d'intéressant? Je regarde. Hein.
Je regarde quand même un peu. Donc un véhicule qui va nous permettre de pouvoir couper du bois. Donc les deux machines, ça peut être intéressant, tu vois. Voilà, c'est rabattre. Ça, c'est la remorque. Mais le prix, il est énorme. T'as intérêt à avoir des sacrées coronesses pour avoir autant de trucs. Hein. Aïe, 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 aïe. T'as intérêt à vite bosser. Hein. Juste à deux seuls, ça dépasse plus de 2500. Putain. J'aurais bien pris les deux, sincèrement. Comme ça, on peut faire les arbres direct. Allez, vas-y, on va pas s'embêter. Ça sert à quoi, ça? Ok, si tu veux. Acheter, bien sûr que oui. Ah, c'était Noël, la mamie, elle est trop bien, quoi. T'as vu comment elle veille sur moi, même après, elle me regarde du ciel, elle m'envoie des cadeaux. C'est ça qui est plutôt bien. Ah oui, Chenille. Alors, j'ai pris du tout-terrain, quoi. Bon, par contre, je vais revendre des trucs qui me servent à rien. Lesquels? Bah, à vrai dire, je vais pas te cacher, je vais vendre un truc tout bête, que je m'en fous réellement. C'est ça. Bah, j'en ai un mieux. Donc, je fais pas forcément la collection, j'ai celui-là qui est 10 fois mieux, tu vois. Ah ouais, ça va être un sacré bordel. Et faudra aussi qu'on s'achète. On va regarder comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Attends, je regarde. On va bien se marrer tout ce qu'on a à l'extérieur. Voilà, tu vois, elle est pas belle la vie. T'as vu les gros véhicules? Donc on va commencer à bosser un peu plus sur du bois cette fois-ci. Voilà, donc ça c'est les meilleurs véhicules du jeu qu'on a. Ça fait plaisir, comme ça on essaiera rapidement de se faire du bois. Parce que c'est le seul truc qui nous a manqué, tu vois. Donc j'ai des tracteurs. Donc tout ça, ça va être vraiment cool parce que... Ah ouais. Attends, j'ai ça aussi qui permet de ramasser du bois. Attends, 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 je m'emballe un peu sur beaucoup de choses là. Attends. Ah oui, je garde pas tout, hein. C'est rien que je fasse la collection de trop de choses qui vont pas servir à grand chose. Alors, un tracteur, deux tracteurs, trois tracteurs, quatre tracteurs. Tu vois, c'est le même modèle celui-là, ça qui est cool. Parce que c'est pas la même marque. Alors, on a quoi d'intéressant? Donc ça, j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Ce truc-là permet de transporter des troncs. Mais j'ai ce truc-là qui est beaucoup mieux, mais le prix n'est pas le même. Donc on va le vendre. Voilà, on a besoin de quoi d'intéressant. Les silos, c'est bon. Les panneaux, les éoliennes, qui permettent de maintenir l'économie normalement. Sans l'éolienne, je pense qu'on paierait beaucoup plus. Alors montre-moi comment ça marche. Par contre, pour ça, je vais activer les aides parce que je sens que ça va être un peu plus complexe. On va attendre. Je vais sauvegarder déjà. On va tout simplement maintenant. Ah, il faut que je fasse gaffe à la laine. Ça va, ça augmente. Propreté, je sais pas comment tu nettoies. Abattre CB1. D'accord, faudra vite fait modifier la coupe. Donc, comment tu abats les arbres? Bonne question. Non, ça je peux pas activer l'ouvrier. C'est peut-être pas ça hein, que tu abats. Attends, tu vois, si, si, j'ai l'impression que c'est ça. Tu dois les coller un peu plus, non? Non? Montre-moi si tu peux pas lever le truc comme dans le truc. Ah si. Ça doit être quelque part en bas, non? C'est assez compliqué leur truc, hein, je te le cache pas. Hein. D'accord, donc ça fonctionne comme ça. Oh là là, putain, par en bas des arbres, bonne chance. Hein. Activer. Là, je viens de l'activer, c'est déjà bien. Une vraie bombe ce truc hein. Waouh, attends, comment tu fais? Bonne question. Ouais, les arbres, je suis pas trop fan hein. Il a marqué quoi? Il a marqué quelque chose que j'ai pas capté. Ouais, s'il te plaît, mais c'est quoi ces boutons, je te jure. Non, je veux pas que t'ailles. Attends là. Ok, cette arme ne peut pas être prise en charge, donc c'est pas là.
Bah écoute, ces arbres-là, ils sont pas possibles là. Je pense que ça doit être les arbres au fond là-bas, là, vers la forêt. Bah écoute, on va voir. Hein. Moi, pour moi, c'est ceux-là hein, qu'on peut abattre. Ça m'a l'air logique. Juste faire un truc tout bête, hein. Je vais faire venir tous les véhicules. Bah tiens, justement on va ramasser ceux-là. Tu fais quoi maintenant? Donc B. C'est un sacré bordel ça. Je peux pas les ramasser ceux-là. Comment t'ouvres la trappe là? Ok, je regarde. Hein. Merde. Tu vois, tu peux pas vraiment. Ceux-là, tu peux pas faire grand-chose quoi. Ah ouais, d'accord. Donc le truc forestier, bonne chance. Hein. T'as intérêt à vraiment y aller, à bien te débrouiller quoi. Mais comment t'ouvres ça? Pas fait. Non. Ah, c'est vraiment spécial hein, quand même. Hein. Attends, parce que les mouvements ils sont assez chauds. Écoute, c'est quoi, je vais pas m'embêter. Je sais pas pourquoi je m'embête depuis le début. Je vais utiliser la manette. Hein. Donc, comment tu fais? Enfin, ça, j'ai compris. Donc, ça aussi, j'ai compris que je pouvais sortir par là. Non, tu peux pas cela. Bah, écoute, hein. On reprend la route. Si j'attrape en passant par. Par-ci, par-là, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Et je sais pas pourquoi je m'embête en fait à jouer avec le clavier, sachant que je peux aller beaucoup plus vite avec la manette. Désolé, convoi exceptionnel. Je regarde vite fait. On va rapidement maintenant prendre d'autres véhicules. Donc je vais les faire bosser un peu, bougez pas. Maintenant qu'on a un nouveau champ, je vais essayer de mettre plein d'ouvriers à la tâche. Attends, je vais faire haut. Et oui, on a plusieurs champs. Profitons-en. On bosse bien. Alors toi, tu vas rien faire d'extra. Attendez, bougez pas. Ouais, faut vraiment que je ramasse plus tard ces trucs. Hein. Voilà, donc celui-là, on va le placer là, le tracteur. Celui-là, on va le laisser là. On va le laisser là. Donc là, on en a deux. On peut prendre le plus petit en attendant. Attends, j'ai ce véhicule là aussi. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, tu peux faire des petits mélanges et tout. Ah d'accord, je savais pas. Donc je sais pas si c'est celui-là, tu peux activer l'ouvrier. Ça, ça peut être justement sympa de faire des vrais mélanges. Ouais, donc celui-là, je pense que je vais le garder, mais je vais virer les autres. Ça me permettra d'avoir peut-être des meilleures choses pour les vaches. C'est bien, ça me permettra de découvrir certaines choses. Ouais, donc là-bas, je vais virer le même truc en fait qu'on a. Attends, je vais voir vite fait si je peux pas passer rapidement de l'autre côté. J'ai quand même foutu un sacré bordel, hein, je te l'accorde. Hein. Je t'accorde tout le bordel qu'il y a. Donc l'autre champ, le nouveau là qu'on a là, on va essayer d'en profiter. Ah mais il récolte rien. Il n'y a pas d'ouvrier ici. Ah je peux voir vite fait. Que dalle. Donc B. Donc activé, mais il n'y a rien en fait. Attends. D'accord.
D'accord, donc là il nous a mis déjà le truc. Ça, c'est une vitesse ce truc là que ça capture. Là, j'ai l'air parce que j'ai l'impression que je ne fais pas certaines choses à temps. Il n'y a pas l'ouvrier sérieux avec ça. Ça aurait été tellement rapide. Je te jure, ça aurait été trop rapide quoi. Attends, je regarde. Bon, ce truc là, je sais pas en quoi ça sert exactement pour l'instant. À part voler en l'air, mais c'est tout. Ah, là j'ai dépassé un peu plus que prévu. Ah ouais, ça fabrique des gros trucs, hein. Putain, il faut bosser avec ça. Bref, on verra. Bon, coupons maintenant le bois directement. C'est pas gagné, hein. De la forêt, je sais pas comment ça va se passer. Alors, B. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut vraiment couper tout ce qu'on veut ou pas vraiment? Je regarde. Donc, abattre arbre. Ah, j'étais prêt, merde. Ah, je l'avais bien collé celui-là, rappelez-vous. Alors, je vais tourner légèrement là. Pour moi, il est bien positionné, tu vois, regarde là. Et après, tu fais quoi? Couper. Pas mal. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu lèves le truc vers le haut. Attends, oh, c'est chaud. C'est pas évident. Hein. Parce que la touche sont un peu particulières, les touches, je vous le cache pas. Le camion derrière, qui a bloqué toute la route. Ah ok, donc quoi qu'il arrive, ça se dépose. Donc ce qu'on va faire, c'est le mettre de l'autre côté. Ah, il veut pas pivoter. Ah, c'est que là qu'il peut pivoter. Ah, c'est pas un 360. Merde. Ah ouais, merde, j'ai cru qu'il allait... Ah non, attends, non. Attends, je vais voir si je peux pas monter plus haut. Non, c'est que là le maximum, d'accord. Et merde. Mais écoute, on va faire de notre mieux. Hein. Je vous assure, c'est un de ces bordels, j'ai l'impression de péter un plomb parfois. Attends, ça la touche quoi déjà, K? Non. Descends un peu. Non, non, non. Donc attends. C'est loin d'être évident d'attraper le truc. Maintenant, tu fais comment pour la prendre? B. Mon cul, ouais. Écoute, on va couper les bois. Attends, donc là, pour l'instant, j'ai eux qui bossent. Bon, lui, je vais le préparer derrière lui tout de suite, comme ça, ça va être fait. Ils vont pas perdre de temps comme ça. Ça va être directement du replantage. Qu'est-ce que je peux mettre comme notre autre truc? Je veux voir justement ce qu'on peut cultiver. Donc, on peut semer, pardonnez-moi. On va mettre ce truc-là. Le blé, c'est bien, mais bon, ça fait pas forcément tout. Alors regarde bien, ouvrier. Pas trop droit, mais ça va, c'est vite. Pardonnez-moi, je me suis trompé de touche. Donc lui, il faudra qu'il se positionne dans pas longtemps pour récupérer la marchandise de l'autre. Ah, plus il y aura de terrain, plus ça va devenir technique. Hein. Je le prépare un peu, on sait jamais. Pour le déverser, j'ai vite fait, il y a combien? Dommage que je peux pas l'activer en automatique, lui. Merde. Tiens, je m'en vais. Bon, ces trucs-là, ça, je suis vraiment pas fan du tout du bois. Hein. C'est ultra galère. Alors, je regarde vite fait.
Alors, le bois, pour moi, ça reste quand même quelque chose de chaud. C'est surtout bien bouger le mécanisme, quoi. Attends. En plus, c'est pas du 360, ce truc-là. Hein. Merde, mais comment tu tournes de l'autre côté? C'est horrible. Attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu vas plus pousser le truc. Attends. Voilà, on va ouvrir le truc. Donc, tu vas couper. Non. Tu vois comment c'est chaud? Je vais mettre 2 heures à faire du truc. Attends. Donc, merde. On va reculer un peu. Oh, putain. Et le bois là, quelle idée de faire du bois. Et puis merde, c'est lequel qui est bloqué. Ouais, quand même. Ils sont bien niqués tous les deux. Donc attends, il faut que j'envoie l'ouvrier. On va vraiment attendre qu'il termine. Ouais, on va attendre qu'il termine. Qu'il va un peu plus rapidement que l'autre. Il y en a beaucoup de champs à cultiver aujourd'hui. Hein. Bien plus que la dernière fois. Bon, le bois, par contre, c'est le truc qui me désespère le plus, je vous jure. Peut-être ça peut rapporter des milliards, mais en attendant, c'est un peu galère. Donc, ce tracteur-là, on va l'utiliser à bon escient. Ouais, franchement, le bois, là, c'est vraiment le truc. Je suis pas du tout fan des trucs-là pour la forêt, regarde. Alors, je préfère largement faire les champs. Hein. Pour l'instant, il y a que les champs qui sont assez, assez cool. Tu vois, on voit les éoliennes là-bas au fond. Elle tourne assez vite quand même. Hein. Ouais, il faudra que je revende quelques trucs. Tu vas me dire, mais tu veux revendre quoi en fait encore? Non, pas encore, mais quelques trucs à côté quoi. Ça. Qu'est-ce que t'as foutu encore comme connerie? Faudra aussi plus tard que je commence à mettre des trucs aussi à l'intérieur là. Eh mais attends, une question, qu'est-ce qu'il faut vraiment dans les serres? Peut-être que j'ai déjà la nourriture en question. Attends, on va voir après. J'ai peut-être une idée, j'ai une bonne idée après. Et puis merde, je me suis encore bloqué comme un con. Bon, écoute, ça je le ferai après. Ce truc là, je suis pas fan pour faire ce genre de mélange. Dommage que t'as pas un ouvrier quoi avec ça. Faudra qu'on s'amuse à faire des potions magiques, mais bon, le problème c'est pour l'instant, je suis loin de les réussir. Alors le magasin, sincèrement je vous cache pas que je veux revendre des trucs. C'est-à-dire tu veux revendre quoi? Tu verras, t'auras la surprise dans 2 secondes. Alors je veux revendre beaucoup de choses. Mon garage. Ça franchement je te cache pas que je m'en fous. Après pour l'argent vous inquiétez pas, hein, je sais combien ça coûte. C'est pas un problème ça pour l'instant, ça sert à rien. Oui ça permet de faire des rations etc. Mais bon j'ai pas compris comment se servir de ça, laisse tomber. Les silos, je les ai là. Attends, il y avait quelque chose qui me manquait, je crois. Attends. Donc, les tracteurs, moi, ils me conviennent largement. Ce coup de l'appel, on l'a pas encore utilisé. Ça sert à rien qu'il reste à l'intérieur du magasin. Ça, on l'a. Ce truc-là, on l'utilise même plus maintenant. Vu qu'on a celui-là. C'était l'ancien, celui-là. L'ancien modèle. Ce truc là je l'utilise de moins en moins, je te le cache pas qu'on va peut-être s'en débarrasser un peu plus tard. Tu sais, j'ai pas envie de faire la collection un peu pour rien en fait. Alors je regarde vite fait ce qu'on aura comme possibilité. Alors c'est quoi que tu... Ah ouais, ça c'est ça. Ça je sais pas encore comment le faire exactement.
Ah non, c'est peut-être que ça. Ouais. Je regarde un peu ce qu'on aura comme possibilité encore. Qu'est-ce que je peux acheter? Peut-être un gros camion maintenant. Un très gros camion. Par curiosité, je regarde. Ça va transporter beaucoup. Ah, 80. Ah ouais, ça peut être vraiment plus cool, quoi. 80. Ah ouais. Ça, on pourra se taper des vraies vitesses de pointe, quoi. Y a très peu de différence, tu vois, de bien. Donc ouais, ça nous permettra après de pouvoir remorquer des gros trucs. Les gros en conteneur. Peut-être, attends, je vais voir une autre moissonneuse beaucoup plus puissante. Donc ça, c'est que des mods. Pour eux, c'est celle-là la plus puissante. Je sais pas ce qu'elle change. 40 km, on a laquelle, nous? Par curiosité, je vais voir. On a celle-là, je crois. Ah, elle va 25. Non. La mienne, elle a combien? Je vais vite fait, elle va combien, la mienne? 25. Ah ok, je savais pas qu'elle allait 25. Bah écoute, on va faire un truc tout con. On va la revendre. Ça fait être bizarre, mais... Ah non. On va la revendre après. Dès que j'ai terminé de faire tout ça, donc elle va acheter à 10 mètres. Hein. Ok. Ouais, je vais en prendre une beaucoup plus performante. Comme ça, avec ça, on va se faire tout de suite les meilleurs terrains. Donc je regarde. Hein. Donc avec celle-là, on peut faire plus de choses. J'étais 40 km/h. Qu'on écoute 10 fois plus cher que l'autre, par contre. C'est bien mignon tout ça, mais ça coûte tellement cher. Écoute, on va pas désigner sur les moyens, je te le cache pas. Il n'y a pas toute option avec, non? Oui. Maintenant que tu as la jaune, c'est quoi le modèle? Bon, faudra qu'on sélectionne les bons trucs qui vont avec. Donc les bras de découpe là. Donc les bras. Je dirais que ça va être celle-là. 13 mètres. Ouais, 10 km/h par contre contre eux. Ouais, tu vois, donc en fait, c'est pas vraiment ça qui attend. Je regarde. Ouais, bon, ah, elle va 15 celle-là. Tout dépend ce que tu prends finalement. Mais bon, vu que la largeur elle sera beaucoup plus grande, ça va être plus cool. Vu qu'on a plusieurs champs maintenant à faire. Ça fait un peu moins de choses, j'ai l'impression, que l'autre. Attends, je regarde vite fait. Non, c'est pareil. Putain, faudra qu'on retourne des patates. Ah, du tournesol. Voilà, c'est ça qu'il nous faut. Encore une autre moissonneuse. Écoute, comme ça, on essaiera de mettre ça aussi en place. On remettra des patates, on mettra d'autres cultivations. Beaucoup plus cool. Alors, je regarde encore une fois dans le garage. Non, c'est bien. Donc là, je suis livré. À domicile, à l'extérieur. Putain, c'est balèze ce truc-là. Wow. Ce truc-là, tu passes pas où tu veux. Hein. Ça m'en fait deux, tu vois, c'est pas grave. Mais il faudrait que j'en prenne une pour les autres cultures, comme le tournesol, qui ira pas bien plus, quoi. Alors, on va voir après qu'est-ce que ça fait d'avoir celle-là. Je te cache pas que la jaune, elle m'a grave fait kiffer. J'en aurai deux comme ça, hein, je pense. Ça dépend combien elle me rapporte trop. Ah, elle s'emboîte pas, t'as l'impression. Merci. L'intérieur, ça donne ça. Donc, c'est pas spectaculaire, hein, ce qu'on peut voir. C'est normal. Hein. Ah, s'il y a juste un tableau un petit peu plus vers ici. Et allons-y. Donc, missile enclenché. Ah ouais, d'accord, ça envoie directement le truc à côté, tu vois, le missile il est un petit peu différent ici. Par contre, elle est grave grande, hein. Pour découper des choses, c'est vraiment cool ça. Mais pour la transporter jusqu'à chez moi, elle prend toute la route, hein. Tu vois, c'est ça que je trouve qui est un peu bête dans le jeu, c'est que regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde le panneau là, je sais pas c'est quoi là qui fout la merde. C'est quoi ce truc là? C'était quoi ce marqueur là? Je peux rien faire moi avec ça. Oh là là la blague! Je peux pas du tout la transporter. Allez vas-y, la voiture passe là au de me faire. Ou de m'embêter là. Je peux pas la faire passer quand je veux.
quoi ce truc tout pourri là qui dépasse là? Ça j'arrive pas à comprendre c'est quoi ça. Ils te vendent du matériel, je te jure, c'est trop marrant quoi. La barre de découpe. Ah c'est haut pour la déplier, waouh. Ah non, ça sert à rien à voir. Attends, je me suis inquiété là. C'est un truc de ouf quand même, non? Vous en pensez quoi? Ouais, je sais pas. Je peux pas l'utiliser quand. Je peux pas passer ce pont. Pourquoi j'habite aussi loin, moi? Ah, mais merde, ils auraient pas pu faire un truc plus grand. Ça passe de justesse, mais c'est le poteau là. Oh, putain. Voilà, je suis vraiment bloqué. Quoique, je peux peut-être tricher comme ça. On va mettre 2 heures à y aller là-bas. Drôle de jeu quand même hein, pour transporter ce genre de gros véhicules. Merci. Donc là, ça va être beaucoup plus cool. Ah ouais, c'est juste impressionnant quoi. Sacré bordel. Hein. Regarde, là, on m'a encore touché dans pas longtemps. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, là, c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai planté le truc là où il fallait pas. Ah putain, ça déprime. Ça passe normalement, t'inquiète pas. Non, ça coince. Ah, les arbres aussi, ils les ont plantés un peu bizarrement là. Pas me faire chier l'arbre longtemps. Hein. C'est juste dingue comment c'est horrible. Merde, je me suis fait bloquer en dessous. Putain. C'est la pire, c'est là en fait. Hein. Niveau. Niveau taille, elle te bloque vraiment partout. Ah, ça passe, ça passe. Mon cul, ouais. Écoute, c'est ce que je vais faire, je vais sortir parce que j'en ai un peu marre de l'arbre là. Pivote là. Non, j'ai pivoté hein. Oh le jeu. Où est ton arbre là? Je suis sur leur truc là. Tu vois, faut trouver le bon angle. Et où ton angle là? Putain, mais ils sont pas capables de faire un truc tout simple. C'est quoi leur délire? En fait, tu mets une heure pour couper un arbre, quoi. Ok, je te jure, des fois, il te complique la tâche ou de faire le trait partout. Non, mais ça rend pas dépressif, sérieux. Regarde, de loin, tu peux pas avoir en fait. De près, faut que tu colles l'arbre, limite, tu l'embrasses, quoi. Tu viens ici, viens ici. Donc on va essayer maintenant de traverser avec ce gros bulldozer là. Ah ouais, maintenant j'ai là, oh putain, j'ai le tout petit truc qui est bloqué. Un immense bordel. Hein. Franchement, ce truc là, si un jour vous l'utilisez, bonne chance. Hein. Vous pouvez voir par vous-même que c'est hyper galère. Donc là, j'ai réussi à bien sauter. Mais c'est loin d'être évident, ce truc là. Waouh. T'es en train de se bloquer en plus quelque part. Vivement que ça reste dans les champs. Hein. Regarde comment c'est de justesse.
Ouais, les grands ils sont pratiques, hein, je dis pas le contraire. Hein. Alors putain, pour passer dans les champs, ouais, aïe. Bien plus galère. L'ouvrier, je crois qu'il a fini de bosser. Ouais, c'est les arbres qui sont très limites quand même. Oh putain. Si la mamie elle verrait ça, franchement elle craquerait. Hein. Bon, le rouge il est plein, je pense. C'est pour ça que. Il n'est plus du tout d'actualité. Donc je pense que lui, je vais le mettre ici. Donc attendez. Ouvrier. Bosse un peu. Et moi, je sors d'ici. Il a eu. Il bosse mal l'ouvrier quand même pour l'instant. Attends. Tout ça c'est de l'argent, faut lui dire. Il est fou lui. Voilà, à partir de là, ça va être beaucoup plus cool. Merci. Bon, changeant de truc, lui il est plein, c'est pour ça. Lui il attend. Voilà, il va décharger. Il bosse plus le jaune. Oh putain, mais c'est vraiment des feignants, hein, ces ouvriers. Ah, des flemmards par excellence, quoi. Plus tard, je prendrai encore un truc beaucoup plus grand pour décharger. Ouais, c'est plus du tout la même couleur, hein. Après, il veut pas bosser. Ah, voilà. J'ai de l'argent suffisamment pour pouvoir... Oh, c'est un bordel ce truc là. Et celui-là il crache pas grand chose par contre. Hein. Lui il ramasse des haricots. Ouais, tu voulais des haricots, Body. Bah maintenant t'as des haricots. À mon avis, ce truc là ça va être vraiment impressionnant. Attends, je regarde vite fait. Donc qu'est-ce que j'ai encore? Voilà. Ça bosse. Ça bosse bien. Moi je me sauve avec ça en attendant qu'il se remplisse encore à nouveau. En fait, je viendrai faire le mec feignant qui récupère tout ce qu'ils sont en train de créer. Je suis devenu un feignant, je te jure. Maintenant, on va voir vite fait dans le magasin s'il n'y a pas une plus grosse remorque. Ça m'intéresserait. Mais vraiment une très grosse. Hein. La plus grosse qu'ils ont dans le jeu. Voilà les plus grosses bennes. Donc c'est celle-là la plus grosse. Mode. 36 000 litres. Je regarde rapidement. Donc ah non, tu peux pas tout transporter. Eh oui. Non. C'est celle-là pour le reste. 36 000, 33 000. Attends, j'ai envie de faire. Hein. Combien? 59. Ah bah il n'y a pas photo. Hein. Je prends direct les plus grosses. 59. 56. Ouais, mais pour ça, il faut un camion. Ça, faut un camion. Ça, il faut pas de camion. Je me dis, ah non, ça se met pas n'importe quoi. C'est pareil, j'ai l'impression que ça se fout pour un camion. Mais écoute, on va pas s'embêter, on va faire un truc tout bête. On va prendre celle-là. Ce truc-là. Ouais. Donc, on va tout simplement l'acheter. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut pour ça, je vous le cache pas, à mon avis, ça va être un camion. Garage, magasin. Magasin. Et il va pas me foutre le magasin, cette ordure. Ah merde, j'avais la possibilité de me payer un camion. En tant qu'à faire le plus gros. Hein. Attends, je reviens vite fait, c'est quoi ce truc là? Je sais même pas c'est quoi, mais bon, prenons-le. Oh là, j'ai tous les couleurs. On va prendre une couleur un peu différente des autres. Standard, pneu large. Couleur des jantes. On va le prendre en. Je sais pas, moi, bleu. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut enfin personnaliser le camion. Et je pense qu'il va manquer un dernier truc. Je viens de dire, c'est quoi? Ça doit être un truc comme ça. Je vais te montrer. On attend qu'on le trouve, ce truc-là. Attends, on va faire... Ah, je crois que c'était ça. Un truc comme ça. Non, 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 non. Ça, je pense. Non, ça, c'est vraiment pour les tracteurs. Non, je crois pas.
Écoute, on va voir déjà si on peut. Ah, c'était ça, le dernier. Écoute, c'est pas grave. On va voir si le camion est capable de le prendre. Putain, ils auraient dû faire un truc un peu plus grand aussi. Tu vois, je te l'avais dit, on allait bien se prendre la tête. Merde, qu'est-ce que t'es en train de faire comme connerie, Body? Bah écoute, hein, j'essaie d'emboîter le truc. Oh, mais c'est hyper chiant qu'il y ait de le livre dans le magasin. Des fois, je comprends pas, ça te livre à l'extérieur, des fois à l'intérieur. Merci. Voilà, comme ça, tu vois, ça nous fait un gros camion, rien que pour nous. Donc, ça va être vraiment intéressant, justement, d'avoir un camion en plus. Parce qu'il y a des trucs qu'on va vraiment avoir besoin. Un petit truc pour décharger, un gros camion pour pouvoir s'occuper. Alors, c'est pas beau ça, tout ça? Enfin, un petit camion supplémentaire, donc la bâche, ça doit être N à mon avis. Voilà. On va essayer de le remplir carrément à ras-bord. À mon avis, la livraison avec ça va être monstrueux. Par contre, la facture à la fin de la journée doit être assez costaud aussi. Donc là, ça va être vraiment mon exploitation que je vais essayer de mettre en avant cette fois-ci. Je vais essayer d'acheter plein de champs et les faire tous bosser. Donc on va mettre plein, plein, plein d'ouvriers. Et de tirer un vrai business de tout ça, quoi. À la vitesse du camion, c'est vraiment excellent. Tu sens tout de suite que tu perds moins de temps, quoi. T'as vu la vitesse? En plus, il est très stable à conduire. Ouais, le camion. Oh, ouais, d'accord, très stable, mon cul. Il est stable tant que tu te prends pas un truc dans la gueule, hein. D'accord. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je regarde un peu. Ça fait bizarre, hein. T'as trois fois le volume, quoi. Donc, les amis, on s'embrasse. Je vous embrasse. Putain, on s'embrasse. Qu'est-ce que j'ai avec ça, moi? Faut que j'arrête, hein. Et je vous dis à plus tard, ok? Allez, gros bisous à tous!